ainsi que le Christ est né pour nous. Venez l'adorer. Voici que le Christ est né pour nous. Venez l'adorer. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras de sainteté. Voici que le Christ est né pour nous, venez l'adorer. Le Seigneur a fait connaître son salut, aux yeux des païens révélé sa justice. Se rappelant son amour et sa vérité pour la maison d'Israël. Voici que le Christ est né pour nous. Venez l'adorer. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, éclatez en cris de joie. Voici que le Christ est né pour nous, venez l'adorer. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici que le Christ est né pour nous, venez l'adorer. Lumière. Seigneur,
Psaume 8. Psaume 137. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exaucas. Tu as accru la force en mon âme. Tous les rois de la terre te rendent grâce. Car ils entendent les promesses de ta bouche. Ils célèbrent les voix du Seigneur. Grande est la gloire du Seigneur. Sublime le Seigneur, il voit les humbles. Et de loin connaît les superbes. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre à la fureur de mes rivaux. Tu étends ta main et me sauves. Ta droite aura tout fait pour moi. Seigneur éternel, ton amour ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, amen.
Cantique des Proverbes, page 262. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes. Elle a abattu ses bêtes, préparé son vin, elle a aussi dressé sa table. Elle a dépêché ses serviteurs, les promenés partout dans la cité. C'est lui qui est simple, qui passe par ici. Venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Venez à moi et vous vivrez, marchez dans la voie de l'intelligence. Donne au sage, il deviendra plus sage encore. Instruit le juste, il accroîtra son acquis. Principe de la sagesse, la crainte du Seigneur, la science des saints, voilà l'intelligence. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. Psaume 96. De Saint-Hilaire au IVe siècle,
Il vient vers eux à la fin de la nuit. Après cela, il ordonna à ses disciples de monter dans la barque jusqu'à ce qu'il disperse lui-même les foules. Et la foule dispersée, il monta pour prier. Et le soir venu, il était seul. Pour donner la raison de ces faits, il faut faire des distinctions de temps. S'il est seul le soir, cela montre sa solitude à l'heure de la passion, quand la panique a dispersé tout le monde. S'il ordonne à ses disciples de monter dans la barque et de traverser la mer, pendant qu'il renvoie lui-même la foule, et celle-ci, une fois renvoyée, s'il monte sur une montagne, c'est qu'il leur ordonne d'être dans l'église et de naviguer par la mer, c'est-à-dire ce monde, jusqu'à ce que, revenant dans son avènement de gloire, il rende le salut à tout le peuple qui sera le reste d'Israël, et que ce peuple rende grâce à Dieu son Père et s'établisse dans sa gloire et sa majesté. Il vient à eux vers la fin de la nuit à la quatrième veille. Dans l'expression « quatrième veille de la nuit », on trouve le nombre correspondant aux marques de sa sollicitude. En effet, la première veille a été celle de la loi, la seconde celle des prophètes, la troisième celle de son avènement corporel, la quatrième se place à son retour glorieux. Mais il trouvera l'Église déclinante et cernée par l'esprit de l'Antéchrist et toutes les agitations de ce monde. Il viendra au plus fort de l'anxiété et des tourments. Les disciples seront dans l'effroi, même à l'avènement du Seigneur, redoutant les images de la réalité déformée par l'Antéchrist et les fictions qui s'insinuent dans le regard. Mais le Seigneur, qui est bon, leur parlera aussitôt, chassera leur peur et dira « C'est moi », dissipant par la foi en son avènement la crainte du naufrage menaçant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme. Ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés.
Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet de pain. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il s'élève avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous donner qu'à franchir de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Saint, Saint, fort, Saint, immortel.
que nous sachions reconnaître ton Fils lorsqu'il vient à nous, lorsqu'il nous rejoint par des chemins qu'on n'avait pas prévus auparavant. Nous te le prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur notre Dieu, soleil qui brille pour toutes les nations, accorde au peuple de la terre de vivre en paix et fais lever en nos cœurs l'admirable lumière qui a guidé les mages vers ton Fils. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.